Et on enchaîne sur une quatrième partie du coup pour ce stream du coup. Donc j'enchaînais quatre parties multijoueurs en escarmouche uniquement pour qu'on fasse une partie avec chacune des classes. Et je ne ferai en différé que les meilleures parties que j'aurais faites. Pour l'instant, je pense que j'ai uploadé celle du soldat lourd parce qu'elle était vraiment pas mal. Celle de l'officier était pas trop mal non plus. Celle du spécialiste, c'était pas non plus le même délire. Hein. Bon, c'est toujours kiffant de faire des kills avec le sniper, mais c'était pas non plus une partie ouf ouf. On verra ça. Si vous me la réclamez, bien évidemment que je la mettrai après, certainement. Mais en tout cas, j'ai fait dans cet ordre. Spécialiste, officier, soldat lourd. Et maintenant, on va faire celle du commando. Et j'espère que ce sera une bonne partie. Donc voilà, escarmouche, maintien à mort par équipe, 100 vies à 100 vies, 8, non c'est 10 contre 10, et on se retrouve sur Hoth, une map qui ressemble beaucoup à celle qui était déjà dans le premier Battlefront, et que je n'ai pas eu l'occasion de jouer souvent, celle-ci. Donc je risque de me perdre, hein. Ah, je vous le dis cash. Alors du coup, commando, on a la célèbre fléchette qui indique où sont les ennemis. Ah, mais j'ai bien fait de le mettre là. Il y en a des millions là. On a plus beaucoup de vie, c'est pour ça que je campe un peu ici. Ok, il y en a un là-bas. Oh putain! J'ai entendu arriver sur moi, courir sur moi, mais j'ai pas eu le temps de réagir. On reprend le commando. J'aime bien cette arme là, elle a beaucoup moins de cadence de tir, mais quand tu le fais à courte distance, c'est pas mal parce que du coup ça fait vraiment beaucoup de dégâts, même malgré le recul, si t'es pas trop loin de lui. Ok, et même à distance, regardez. Enfin, regardez. Sans, je me suis complètement là. Ok. Voyons voir ça. Ils sont encore tous là-bas, non? Il y en a un en haut, je crois. Oh, putain. Oh, non. Ça, mal pour moi. Ah, il y en a plein, ils sont tous au même endroit. Si je lance une grenade là. Mal balancé, je pense. Il y avait moyen de faire mieux. Eh, mais j'ai l'impression que ma connexion elle part en couille. Elle part en couille, ma connexion. Oh, c'est trop beau. Yes! Petite série de 6 éliminations, ça fait toujours plaisir! Allez, le commando! Allez, c'est ma classe, ça, normalement! Oh putain, j'étais une série de 8 éliminations, pardon! C'était violent! C'était violent, j'arrivais pas à commenter, pardon! Mais là! Ah, je suis premier de ma team, tu m'étonnes! Je sais pas si je vais le rester, mais... Oh, c'était violent! Je suis pas mécontent de ce que j'ai fait. Pas un mec qui est passé par ici. J'ai vu un pied passer, mais peut-être que je deviens fou à force d'être sous pression comme ça. Alors oui, pourquoi le wiki? Parce que les wikis, c'est vraiment la vie. Voilà. Campagne 2022, les wikis, c'est la vie. Non! Oh putain, sa mère. Une espèce de tourelle là-bas qui fait chier. Yes. Il y a des ennemis par là, je crois. Non, il y a personne, si.
j'ai chaud à nouveau. En vrai, j'ai vraiment beaucoup de chat hein, sur cette game. Parce que les mecs, ils commencent à tirer sur moi, puis après ils m'oublient un peu. Enfin, je me fais oublier plutôt. En plus, il y a une espèce de retard de connexion, c'est bizarre. Oh, j'ai chaud. Ah, il y a des mecs là-bas aussi. Ah, mais ça bug de ouf. Pourquoi ils spawnent ici alors que... Je suis là, moi. Allez. Ah, mais ça bug, hein. Vous êtes témoin, là. Hop, qui c'est qui me tire dessus là? On tire pas sur ses alliés, merci. Vous mettez pas la pression comme ça. Merde, je surchauffe. Les mecs se rendent pas compte que je leur tire dessus ou quoi? Allez, on va les vaincre. 14 éliminations restantes. En 2 vies, mais j'aurais fait un carnage. Hein. Enfin, je crois que je suis pas mort. Ah, si, je suis mort au tout début. Hop là. Là il y a trop d'ennemis là. Ah dommage, dommage. J'aurais pu jouer safe mais j'ai préféré prendre un peu de risque. J'espère que c'est pas trop désagréable ces bruits là que je fais au micro mais bon. Faut que je déstresse un peu. Non, tu viens de... oh, la caméra elle fait n'importe quoi. Allez, le petit dernier kill. Eh, c'est pour moi. Yes, c'était une très très belle partie. Celle-là, je vais pas hésiter à la mettre en ligne, j'espère que vous aura plu. Désolé du commentary qui était un peu absent, parce que là, j'étais très très concentré, vous aurez compris pourquoi. Mais on finit sur une note positive là, de tout ce record là, que j'ai fait, donc j'ai enchaîné affrontement héroïque, frappe et escarmouche. Là, je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Et pourtant, je ne suis que deuxième. Pourquoi? 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 Attends, je suis pas premier de ma team, alors peut-être que... Je suis plus premier de ma team, mince. Dommage, je me suis fait rattraper à la fin. Ah non, on va pas se quitter sur ça, on va se quitter sur quelque chose de bien plus intéressant. Avant qu'on se quitte pour le stream, avant qu'on se quitte pour la vidéo, j'aimerais quand même vous faire une petite ouverture de caisse, parce que là je pense que je vais avoir un masse de crédits à dépenser, parce que je n'ai toujours pas utilisé mes crédits que j'ai débloqués du coup dans ce stream qui a duré plus de 3 heures. C'était un gros stream, donc divisé en plusieurs parties, etc. Mais du coup... La plupart des vidéos seront diffusées en différé sur YouTube. Les meilleures parties, évidemment, je sélectionnerai. Et voilà, j'espère que vous apprécierez le contenu. Donc là, au moins, vu tout ce que j'ai enregistré, je pense que j'ai pas mal de vidéos à mettre en ligne pour les prochaines semaines à venir. Et j'essaierai évidemment de revenir sur Battlefront 2 d'ici quelques temps. La semaine prochaine, dans l'idéal, mais on verra si j'ai le temps ou pas. Normalement, oui. Normalement, week-end prochain, je l'ai assez libre. Donc je vais pouvoir me préoccuper de ça. Alors... Ce qui se passe, c'est qu'on va dans carrière et on va voir un soldat. Et là, mon gars, il y a des trucs à débloquer. Ah non, il n'y en a qu'un seul. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Ah, il aurait pu réduire pour ça. C'est tout? Ah, je dois avouer que j'attendais un peu mieux. Ok, d'accord, bon, tant pis. Bon, je suis à 45% toujours des étapes clés. Donc, on va quand même faire cette ouverture de caisse. Et en allant en avant pour... Une première caisse de soldats, donc celle sur laquelle je mise le plus parce que c'est le soldat avec qui je joue le plus. Donc juste une peu commune. Des doublons, on commence à en avoir parce que... Ah, et voilà. Ah, cool. Donc l'officier passe level 22, je crois que c'est la classe de soldat la plus évoluée que j'ai jusqu'à présent. Vous remportez des points de bataille plus rapidement, ouais, ça peut être pas mal. Et...
Ah, cool. Dans celle-là, ça fait quoi? Les explosions et les toxines vous infligent moins de dégâts. Bah parfait. Et on a le commando level 20. Donc je pense que j'ai débloqué une émote. On s'en ouvre une seconde et on y finira sur l'ouverture d'une caisse de vaisseau, je pense. Pour se faire plaisir. Comment ça se fait que des fois tu obtiens 5 cartes et t'en obtiens une verte parmi elles, et des fois t'en obtiens 4 et tu te dis il y a moins de cartes donc il devrait y avoir un truc plus intéressant? Eh bien non, on n'obtient même pas genre une rare ou une peu commune, enfin bref. Et des doublons en plus. Et le spécialiste a gagné un level aussi. Il a gagné version améliorée d'infiltration qui prolonge la durée de la capacité à chaque ennemi vaincu. Ah, ça c'est chouette. Ça peut être pas mal en effet. Et ah, un truc pour l'intercepteur. L'intercepteur, je trouve que c'est le vaisseau le mieux amélioré. Level 14, ouais, c'est pas mal. Augmente la capacité offensive de l'intercepteur. Durée du puits de chaleur. Ok. Et on finit par une caisse de chasseur, du coup à 2400. Et je devrais m'arrêter là parce que j'aurais pas assez de crédit pour faire davantage. Ah, une peu commune à peine. C'est rare. Ah, chasseur. Cool. Toujours level 4, donc il n'a pas gagné un nouvel emplacement. Vraiment les dégâts de l'arme principale, ok. Ça peut être utile. J'aime bien ouvrir les peu communes, enfin les plus rares en dernier en fait. C'est pour ça que je fais un par un. Ah cool, donc Moll a débloqué un nouvel emplacement, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Alors ça c'est quoi? Réduire la surchauffe de l'arme principale, ouais. Augmente la vitesse maximum d'accélération et de décélérateur des chasseurs, non. Augmente le temps d'acquisition de véhicules, ça c'est toujours pratique. Lorsque morte, mode furtif s'arrête, les dégâts de l'arme principale sont augmentés pendant un court instant. J'aime bien la défense. Des pièces de fabrication. Podamron, parfait, qui vient. Level 10, nickel ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Réduit le délai de réutilisation du module d'accélération amplifié, ok. Réduit la surchauffe de l'arme principale Wolf. Augmente les dégâts, bof. Augmente la santé, ouais, c'est pas mal ça. La durée de Black Leader, ouais. Allez hop là, on part sur ça. Et enfin. Ok, et on passe le commando level 21. Avec c'est quoi du coup? Avant-garde série d'élimination. Ah, pas mal. Moi je préfère ça. Je préfère celle-ci, l'avant-garde recharge. Mais en effet, celle-ci elle peut être pas mal. Elle peut s'avérer cool. Ok, voilà. Bon, c'était tout pour l'ouverture des caisses. Récompense déverrouillée. Ah, oui, ouais. Les émotes, je pense. Alors sur l'arme évidemment je vais placer le recul. Elle est stylée comme ça. Et ensuite en émote on va avoir. Aïe. Ok. Voilà, bon on en a fini, on a fait le tour. J'espère que ces vidéos affrontement héroïque, frappe et escarmouche vous ont plu dans l'ensemble, vu que je vais faire un espèce de débrief final. N'hésitez pas à laisser un like sur celles qui vous ont plu, sur celle-ci en particulier si vous avez aimé. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de contenu Battlefront 2, plus de let's play, ce genre de choses, c'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Pensez à aller checker sur Twitter et Facebook si vous aimez bien ces plateformes pour me suivre dessus. Et enfin, pensez aussi à vous abonner sur Twitch. Donc, je fais mes streams sur YouTube, mais j'avouerai que stream, ça serait plus pratique. Donc, si vous pouvez penser à vous abonner sur Twitch, ça serait encore mieux, quoi. Et peut-être que je m'y mettrai, peut-être que je ferai des lives encore plus qualitatifs. Voilà, je suis un peu fatigué, je dis un peu n'importe quoi. En même temps, c'est ça d'avoir parlé pendant 3 heures. Merci de votre soutien, je vous fais de gros mouchous, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, ciao tout le monde, bye, bisous!